Ouais, allô Peppa Pink? Ah, je suis super inquiet pour Lily Rose là. Non mais j'ai regardé ses notes au collège, ça va pas du tout. Elle a eu un 4 sur 20, elle a eu un 5 sur 20 en maths, en français. Là c'est catastrophique, il lui manque plus qu'une seule mauvaise note et elle redouble, c'est fini. Attends, Esteban, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gros souci. Comment ça, t'as un souci? Je te rappelle, aujourd'hui j'avais une évaluation à faire. Oui, c'est la dernière évaluation de l'année. C'est l'évaluation qui va décider si je redouble ou pas. Attends, c'était aujourd'hui là l'évaluation? Oui. Attends, vas-y, me dis pas, me dis sur... Non. J'ai totalement raté l'évaluation. T'as raté l'évaluation? Oui. Mais Lily Rose, c'est l'évaluation de passage. Bah oui, je sais, mais... Non, mais si tu rates cette évaluation, tu redoubles. Mais je l'ai raté, c'est sûr, il faut trouver une solution. Oh non, mais c'est pas possible. Tu te rends compte que là, tu vas devoir retourner en 5e l'année prochaine? Ouais. C'est pas possible. Comment on va faire? Bah, je sais pas, il faut trouver une solution. Surtout que j'ai regardé tes notes, là. Il fallait vraiment que tu la réussisses. Il fallait au moins que t'aies 10 sur 20. Bah, à mon avis, je vais avoir un truc comme 5 ou 4. Bon. Écoute, j'ai eu une idée cette nuit. Mais je sais pas si tu vas être d'accord pour la faire. Quoi? Bah, l'école. Ton école, ton collège. Oui. Il est fermé la nuit. Ouais. Et du coup... Si on y va la nuit et qu'on change les réponses de ton évaluation, ouais, et qu'on met toutes les bonnes réponses en trichant, ouais, bah peut-être que le prof va te mettre une bonne note. Ouais. Tu penses que ça peut passer? On va essayer, hein. Bon, je suis pas sûre que ça fonctionne. Bon, là, il est que 16h. L'école, à mon avis, elle ferme vers 20h, 21h quand il va commencer à faire nuit. Ok, bon bah on y va. Attends, alors. Qu'est-ce que tu devrais faire? Vas-y. Oula, ça va, t'as des allergies? On devrait s'habiller en noir. Bah, non, toi, tu vas t'habiller en noir. Comme ça, on sera discret. Et dès qu'il fait nuit, on rentre dans ton collège et on modifie la note, ok? Ok, bon, on fait ça. Allez, on fait ça. Attends, je vais essayer de trouver des vêtements noirs. Non, mais vite! C'est bon, ils vont rien voir! On y va comme ça? Il n'y a pas de caméra de surveillance. T'es sûr? Oui. Bon, on attend qu'il fasse nuit, on y va comme ça. Ok. Vas-y, on va se préparer. J'espère que ça va marcher. Bon, c'est bon. J'ai pris la caméra, Lily Rose. On va raconter aux abonnés ce qu'on va faire. Là, on donc est dans notre voiture. Ouais, et on va aller du coup au collège. Ouais, on va aller à ton collège. Et du coup, on va essayer de rentrer parce que c'est souci, assez facile. Le souci, c'est que le collège de Lily Rose, il faut y aller en voiture. Ouais. Donc, on a demandé à Peppa Pink de nous amener à côté du collège de Lily Rose. Normalement, il va se douter de rien. Ouais. Il va se douter de rien. À côté de mon collège, il y a un magasin. On lui a dit que ouais, on allait dans un magasin qui est à côté du collège de Lily Rose. Et il va nous attendre. Et normalement, on a environ 10 minutes, ouais, un quart d'heure maximum pour modifier la note de Lily Rose. Donc Peppa Pink devrait arriver d'une seconde à l'autre. Et j'espère que ça va passer. En tout cas, les amis, ouais, on se retrouve. J'espère qu'on va réussir à rentrer. Ouais, on va tout vous montrer. Et on se retrouve dès qu'on est devant la porte de la classe. On espère que ça ne sera pas fermé à clé. Mm-hmm. Allez. Ah bah, ah, vous êtes là? Voilà. Oui bah vas-y vite, il faut y aller avant que le magasin ferme, ouais, là. Ça ferme à 20h. Allez vite. Allez. C'est bon, il a tout ouais, gobé, c'est parfait. En attendant, j'espère. Allez, bon Peppa Pink. Quelle idée d'aller à un magasin, un souci, hein. Ah ouais, mais on a vraiment besoin d'aller à ce magasin, ouais, c'est pour faire une vidéo, t'inquiète. Allez, on y va. T'inquiète pas. Allez, vas-y, mets ta ceinture, on y va. Allez non, t'es sûr qu'il n'y a pas de clé pour ta classe? Non. Ok. Bon, allez, Peppa Pink, on y va. Vous avez mis vos ceintures? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est bon, les amis. On est juste devant la classe. Et du coup, on pense qu'il n'y a pas de clé et que c'est bon, ouais, pour rentrer. On est devant la classe de Lily Rose. Donc, c'est la 5e, quoi, D. Ouais. 5e D. On espère que c'est ouvert. C'est fermé. Non. Lily Rose, c'est pas possible. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de clé à ta classe. Frère, comment on va faire? Attends, je sais pas, il n'y a pas. Attends. Oh non, c'est bon. Attends, c'est bon. Vas-y, on essaie d'ouvrir. J'espère que c'est ça la clé. Ça, c'est une technique de vieux. Ils mettent les clés dans les radiateurs comme ça. C'est bon, ça ouvre. Vas-y, ouvre ça. Et je te préviens, on modifie la note. C'est bon. C'est bon, ça ouvre. Ouais. On modifie la note et on part direct. C'est bon, 5e D. 5D. C'est bon. Attends. Lily Rose, ferme la porte. Ferme la porte. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il y a le prof qui dort. Mais comment ça se fait? C'est ma copie. Attends, chut, chut. Mais attends, tu m'as dit qu'il n'y avait plus personne dans l'école. Mais moi je pensais qu'il n'y avait plus personne. Mais il est 20h30 là. Mais je sais pas, peut-être qu'il corrige les copies. Regarde, c'est la mienne. T'es sûr que c'est la tienne? Oui. Attends, Catherine. Imagine s'il se réveille. On peut pas faire ça. Regarde. Catherine. Attends. Lily Rose, ouais, c'est As. Lily Rose 5D. Attends. Non, il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire? Non. Il faut prendre une autre copie, ouais, et la remplacer. Bon, on va prendre ça, voilà. Non, mais ça c'est pas une copie ça. Il va le voir direct. Allez, vas-y,
Cherche, il n'y a pas d'autres copies d'élèves là? Non. Ah, mais ils ont laissé toutes les affaires. Attends, ici. Attends, on peut prendre une feuille. Une feuille? Non, non, mais déchire pas dans un cahier. Mais si, c'est bon. T'es sûr que ça va marcher? Ouais. Là, les amis, c'est vraiment très périlleux ce qu'on est en train de faire, parce que si ça marche pas et que le prof se réveille et qu'on se fait repérer, on est fichu. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà. On fait semblant que c'est une copie. Et vas-y, je vais l'enlever petit à petit. Vas-y, Lirose, je l'enlève petit à petit et toi, tu la remplaces, ok? Tac, tac. Dépêche-toi. Les lignes de présentation. Plus vite on est parti, mieux c'est. Je remplace la note ou pas? Attends. Je mets un 1. Non, fais pas n'importe quoi. Attends, t'avais eu combien 4 là? 4,5 sur 20. C'est pas grave, je mets un 1, ça mais fait 14. Si t'as cette note là, tu vas redoubler, c'est sûr. Mais oui, mais je fais quoi? Je mets un 1. Au pire, tu mets 14, ouais, tu mets 14. Ouais, c'est bon. Oula, cache-toi. Les amis, on va se faire repérer. Oh purée, on va faire. Les amis. Lirose, on fait quoi? Il faut qu'on sorte. Il s'appelle comment? Je sais pas. Il s'appelle comment? Monsieur, je sais pas. Non mais là, les amis. Regarde. On a de la chance. Il est super vieux, donc peut-être qu'il va pas nous repérer. Voilà, monsieur, attention. Tais-toi, mais c'est pas possible. Lirose. Mais on est repéré. Il nous a repéré. Mais de quoi t'es? Mais... Voilà monsieur, en fait j'avais oublié de vous rendre ma copie. Ah oui oui, ah monsieur. Vous êtes dans un rêve, comment il s'appelle? Monsieur Quack. Monsieur Quackoubé, oui c'est vrai. Monsieur Quackoubé, je suis le grand frère de Lily Rose. Oh bah enchanté. Elle avait oublié de vous rendre sa copie. Oh bah c'est gentil d'avoir pensé à moi. Oui, oui voilà. Donc elle a 14 sur 20, 14,5 sur 20, elle a 14. Fait beaucoup de progression. Hein. Oh mais c'est très bien Lily Rose. Bah merci. Parce que tes dernières notes, ça allait pas du tout. Ah ouais. Non, ses dernières notes, ça n'allait pas du tout, mais elle s'est ressaisie. Vous faites peur, monsieur. Ouais, il fait un peu... Trouver. Ouais. Je fais un peu peur. Ah ouais. Oui, vous faites un peu peur, mais... Bon, c'est pas grave, on va y aller parce que demain... Voilà. Bon, désolé de vous avoir dérangé aussi tard, mais ouais. L'école avait l'air fermée et on voulait pas être en retard pour les notes. Il n'y a pas de soucis. Voilà, bah il n'y a pas de soucis, merci. Allez. Bonne nuit. Hein. Ouais, allez, merci, bon, vous. Les amis, là, on se retrouve le lendemain. Le lendemain matin, il est 8h, on s'est réveillé exprès pour voir parce que normalement, ils mettent toutes les nouvelles notes à 8h du matin. Et du coup, on va regarder si elle passe en 4e. Attends, t'es prête, je filme ta réaction. Ouais. 3 2 1 Ils ont ajouté le 14,5 sur 20. Trop bien, bah c'est bon, alors là je passe en 4. Là les amis, le 4,5 sur 20 a été remplacé en 14,5 sur 20. Non mais il a rien vu, on s'est retrouvé dans la classe. En même temps c'était le soir, il est un peu vieux donc. Il a même pas trouvé ça bizarre. Ouais, oh, c'est trop bien, là on a trop de chance. Non mais là heureusement qu'on a réussi. Ah ouais. Oula, attends. C'est qui? Lirose, t'es là? Oui. Oui. Hé, hey, tu sais quoi? Non. Je viens de regarder sur École Directe là, tes notes. Ouais. Eh ben, je sais pas si t'as... Non, t'as pas encore regardé. Oui, je passe en quatrième. Si, on a déjà regardé. Oui. On a vu la note. Félicitations. Ah bah ça, en plus, et ta dernière note est 14,5. Ah ouais, on a pas du tout été hier en classe pour mettre la note. Surtout que... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Allô? C'est qui? Oui. Pourquoi vous m'appelez? Comment ça? Non, je vois pas de quoi vous parler. J'ai raccroché. Quoi, tu devrais aller voir, ça sent. Ouais. Il y a une odeur bizarre dans la cuisine. Tu trouves? Il y a une odeur bizarre dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton directeur. Eh ben. Il nous a vu sur les caméras de surveillance. Quoi? Il nous a vu dans les couloirs sur les caméras de surveillance. Non. Tu m'as dit qu'il y avait pas de caméra dans ton collège. Mais je savais pas. Mais ça veut dire qu'ils nous ont vu changer la note. Non, c'est pas possible. Mais si savent qu'on est venu pour faire ça, tu vas redoubler. Imagine s'ils décident de recorriger les copies. Mais ils vont pas recorriger toutes les copies, c'est impossible. Bon, les amis, on va vous tenir informés. Mais c'est possible que Lily Rose passe pas en 4e à cause de ça. Ouais. Bon, en tout cas, surtout ne rentrez jamais dans votre école la nuit. Ne changez jamais les notes. Ne trichez jamais, parce que sinon vous allez vous faire repérer, vous allez redoubler quoi qu'il arrive. Il faut être honnête dans la vie, parce que sinon, on se retrouve comme Lily Rose quoi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et surtout, le plus important, cliquez sur la vidéo qui apparaît. Ciao, 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 à demain.